tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog. Je vous ai fait un weekly vlog il y a 2-3 semaines je crois. Et en fait vous avez adoré, ça a duré 1h11. J'espère que ça va pas durer aussi longtemps parce que mon ordinateur va mourir au bout d'un moment. Il faut que je m'en rachète un mais d'ici l'année prochaine, donc s'il vous plaît, on va essayer de se faire assez court et concis. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 janvier, 10h55. Il y a un programme assez chargé pour cette semaine là, c'est pour ça que je vous ai pris avec moi. Il y aura des activités assez cool à faire, il y aura des activités un peu moins cool à faire. Le programme d'aujourd'hui, on va faire les colis Vinted. Comme vous le savez, j'ai fait des ventes Vinted. Je sais pas à l'heure où je vous parle si j'ai clôturé ou pas mes ventes Vinted. Je pense que oui, mais j'ai fait vraiment beaucoup de ventes Vinted et là donc je vais m'occuper de tous les colis pour pouvoir vous les envoyer. Il y a aussi des vêtements qui ont été achetés et qui sont dans le dressing de l'entrée. C'est un enfer parce que c'est dans des housses qui sont en dessous de d'autres bacs. C'est extrêmement lourd. Donc je sens que je vais galérer. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est de faire les colis Vinted et pourquoi pas les envoyer. Si je peux les envoyer aujourd'hui, ça serait trop cool. Donc voilà, petit café du matin, cappuccino, vous avez l'habitude. Ma tasse vient de chez Maison du Monde. On me demande à chaque fois Maison du Monde. Et mes petits pancakes maison. Voilà, c'est moi qui les ai faits avec des bananes, des myrtilles, du sirop d'érable. Donc bah, bon appétit. Ah, j'ai aussi quelque chose à vous dire. Il y aura pas de vidéo mercredi prochain. Il y aura une vidéo jeudi prochain. Ça va être une vidéo assez spéciale, assez particulière. Donc elle sera disponible à 16h30. Voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, à noter sur votre agenda, je sais pas. Mais ce sera vraiment une vidéo assez importante. Il y aura aussi un réel sur mon Instagram que je posterai dans l'après-midi. C'est un réel qui est assez important aussi, qui est en concordance avec la vidéo YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça jeudi, le jeudi 16 février. Ça va être un jour assez important, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas il y aura beaucoup de changements, je pense que ça va faire du bien. Bon allez, c'est parti, on va s'occuper de tous les colis, donc direction le bureau. Donc voilà le bureau, actuellement il y a tous les articles qui sont sous plastique. Juste là-bas, il y a les cartons pour que je puisse faire les colis. Donc on va s'attaquer à ça. Il y a l'imprimante juste à gauche. Donc on va faire ça, on va mettre l'ordinateur à côté. Et c'est parti, écoutez. Donc on a quand même pas mal d'articles à faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins une 25 colis. Et ce qui m'a un peu énervée aussi, c'est que j'ai bien dit, par exemple, que les prix étaient non négociables parce que c'est des sous qui sont reversés à une association. Il y a quand même des articles... Enfin, je sais pas, c'est comme une vente aux enchères. Enfin, je sais pas, tu achètes des choses pour reverser à une asso ou pour faire ceci, cela. Et au final, les gens, ils disent, bah non, moi, je veux gratuitement. Mais en fait, bah non. C'est à vendre, c'est fait pour être vendu et que les sous reviennent à une association. Il y a des gens qui ont essayé de me faire culpabiliser. Wesh, c'est quoi ces gens? Genre, ça fonctionne pas, ce genre de choses avec moi. Ça fonctionne vraiment pas. Limite, je préfère même pas vendre à ce genre de personnes. Donc là il est midi, on va voir dans combien de temps j'ai fini. J'ai des petits cartons comme ça, je me dis jamais les trucs ils vont rentrer, mais finalement si, on rentre. Ça c'est trop bien, on dirait c'était fait pour ça. Je chiale. Allez hop, j'ai mis aussi tout le cosmétique, donc tout ce que j'ai vendu juste là, et j'ai du papier bulle, donc on va essayer de bien les emballer pour pas que ça casse, parce que bon, on connaît la poste. Hop, ça c'est bon. Et du coup le papier est plus grand que le carton. Je voulais vous montrer les sacs que j'avais achetés sur Amazon. En fait, c'est des sacs, ça m'a coûté un peu cher, ça j'avoue. C'est des sacs comme ça et ça un petit truc pour replier. Donc j'avais acheté ça et j'avais aussi acheté des petites étiquettes où il y a marqué thank you. Et du coup j'en ai acheté plein. En fait c'est la même matière que les sacs poubelles. Donc j'ai acheté d'autres sacs poubelles comme ça pour mettre les plus gros vêtements parce que c'est exactement la même chose. Et ça tient vraiment très bien. Donc moi quand je fais avec ça, je mets juste le vêtement dans le sac Shein avec les produits comme ça sous bulle. Et quand j'utilise pas ça, quand c'est un peu trop gros les articles, j'utilise les sacs poubelles. Donc là je crois que j'ai fait tous les produits... cosmétiques, donc il faut que je trouve des petits cartons pour ça, ou sinon bah, je les enverrai là-dedans. Je viens de tomber sur un truc, c'est Vinted Go, je sais pas quoi. C'est con parce que l'abonné elle habite juste à côté de chez moi, à Paris 13. Et surtout, je sais pas du tout comment ça se passe. Dépose et retire vite tes colis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On est même pas à côté de chez moi. Et quand j'essaye de mettre mon adresse sur le site, bah, on peut pas. On voit juste des petits points, mais je sais même pas où c'est. C'est un truc comme ça, genre what the fuck. Oh là là, je crois que je vais enlever ce truc là de... Parce qu'en plus ça me fait faire des allers-retours pour rien. Je savais même pas que c'était rajouté à les options d'envoi. Enfin moi les options d'envoi c'est relais colis, mondial relais et la poste. Mais ça fait chier quoi d'utiliser ça, enfin...
ça me saoule. Mais en plus ça passe même pas dans les trucs vu que c'est des manteaux. Non mais comment je vais le faire? C'est des petits casiers je suppose. Je vais la contacter parce que je peux pas. À tous les coups le colis genre il va être trop gros pour le casier. Parce que moi en fait je vous mets petit pour les envois pour que ça soit moins cher pour vous. Mais là ça m'arrange pas du tout parce que je peux pas vous l'envoyer du coup. Je suis deg parce que j'ai plus de scotch. Là c'est mon deuxième, il est quasiment fini. Il va falloir que j'aille à l'action là en fait. J'ai pas envie de bouger, il me reste encore pas mal de colis en plus. Je demande à mes voisins. Bon ça y est, j'ai du scotch, j'ai même pris du lait sans lactose à mon voisin parce qu'il a allergique au lactose pour pouvoir lui faire des pancakes. Donc je ferai ça demain je pense. Et là je suis en train de voir avec la personne qui a fait le Vinted Go, franchement elle est trop sympa. Parce qu'on galère et tout pour refaire le lot parce que Vinted ne veut pas, Vinted c'est vraiment la merde. Et j'ai regardé pour enlever le Vinted Go, je sais pas quoi sur l'application, je n'arrive même pas à l'enlever. Genre ça veut dire que je suis obligée de le faire. Alors je n'ai pas de Vinted Go à côté de chez moi. Bon il est 14h08, j'ai mis un peu plus de 2 heures pour faire juste ceux qui étaient là, les vêtements, donc là il y a tout ça de colis. Il reste encore tout ça de vêtements que j'ai mis en nouveauté, mais par contre il y a des gens qui ont pris donc des vêtements qui datent d'avant, donc ils sont au-dessus de l'armoire. Je vous montre ça, en fait c'est là-dedans ou dans les bacs qui sont là, donc j'espère sincèrement que c'est dans les bacs, mais je ne pense pas, je pense que c'est là-dedans et c'est une galère de récupérer ce qu'il y a là-dedans. Voilà, faut que je vide tout. Avant ça, voilà l'état du bureau. Donc il y a plein de plastique parce qu'en fait ça me permet de bien compacter les vêtements dans les cartons, etc. Si je me prends des cartons. Mais sinon j'ai utilisé que des sacs parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai réutilisé des sacs d'avant, des sacs comme ceci là que j'avais acheté. Par contre ça coûte super cher ça. Hein. J'en avais acheté 50 pour 15 euros. Donc c'est quand même assez cher. Mais je vais déjà... bordel. Je vais essayer déjà de regrouper les mondial relais ensemble et mettre les... Je crois que j'ai que un ou deux relais colis. Donc après tout le reste je crois que c'est du mondial relais. Donc je vais les mettre dans les sacs. Voilà donc pour l'instant j'ai 18 articles mondial relais et 2 articles relais colis. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais m'attaquer du coup. Je vais souffler. À la recherche des habits. Je suis dégoûtée parce que je retrouve pas une salopette. Je crois l'avoir vendue dans un vide-grenier ou à une pote et j'ai complètement zappé de la retirer de Vinted. Et du coup, il y a quelqu'un qui l'a acheté avec ben, un lot. Et ben, je l'ai pas. Donc ça m'énerve ce genre de situation où c'est vraiment pas très professionnel de ma part. Mais bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc soit je propose à la personne de lui rembourser par PayPal ou Lydia, soit on refait tout simplement une autre commande. Mais j'avoue, c'est chiant. Du coup, ben, je laisse ça en attente au cas où si la personne veut quand même passer commande. Bah, ouais, c'est un petit peu relou, quoi. Et sinon, j'ai vu aussi que dans mon placard, j'avais plein d'autres trucs que j'avais pas mis en vente, genre des chaussures, des écharpes, des bonnets, etc. Et que ça traîne en fait, enfin ça traîne, c'est dans des bacs en fait, juste au-dessus du truc à vendre. Et j'ai pas pris en photo. Donc je le ferai je pense cet été, je le ferai pas maintenant parce que là j'ai vraiment plus le temps du tout de m'occuper de ça. Donc je finis les colis, il m'en reste un. Je suis vraiment dégoûtée, j'aime pas ce genre de situation, ça me ressemble pas trop. Je déteste ça, ça me met mal à l'aise en fait. En attendant je vais me faire un petit thé. Je sais pas encore lequel choisir, soit un thé vert ou mangue litchi. C'est plutôt pas mal ça mangue litchi. Je vais faire ça avec le restant du miel parce que j'en ai plus beaucoup du miel. Ça en fait c'est un apiculteur qui est à côté de chez mes parents. Voilà, il n'en reste plus beaucoup. Le lave-vaisselle est propre. On va utiliser une petite tasse comme ça. Et voilà, petit thé de prêt. Maintenant on va regarder ce qu'on va manger. Alors j'ai fait les courses, donc normalement il devrait y avoir des choses à manger, notamment de la viande. Est-ce que j'ai envie de viande ce midi? Faut que ça soit pas périmé. Donc le 7 février, je veux un truc rapidos moi. Bah, je vais faire ça je pense, avec le restant de crème qu'il faut que je fasse absolument. Allez, on va faire ça à manger. Franchement mon organisation elle est toujours bien, hein. Ça n'a pas bougé, je suis trop contente. Et pour les casseroles et tout c'est pareil. Donc trop contente là, je vais récupérer mon sachet comme ça, ma toile de jute. Par contre il y a toujours les traces. Donc c'est ça, c'est vraiment dommage. Il faudra que je fasse les patates aussi à un moment donné. Donc là l'eau est en train de bouillir parce que je la fais à la bouilloire parce que c'est beaucoup plus rapide. Je sais pas si vous verrez mais vous voyez j'ai lavé, il y a toujours les petites traces. Donc bah c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage. Et aussi le petit il est encore pire. Genre il y a les traces de ouf. Je sais pas comment faire partir ça. Vous savez c'était les oignons qui ont coulé en fait. Donc si quelqu'un a une astuce, je peux pas mettre des produits vraiment détergents vu que c'est de la bouffe. Donc je pense que bah ça va être comme ça tout le temps quoi. Comme ça à chaque fois que j'ouvrirai ce tiroir là, et ben je saurai que j'ai des patates et des oignons parce que j'oublie vite ce que j'ai. C'est ça mon gros problème, j'oublie vraiment vite. Donc je vais laisser les petits trucs comme ça.
Voilà pour mon petit plat. Je voulais aussi envoyer les colis aujourd'hui, mais je viens de voir que tous mes points relais sont fermés aujourd'hui et ouvrent demain. Bah écoutez, j'enverrai les colis demain, ça m'arrange comme ça, j'attends que les gens répondent. A few moments later. Bon, au vu de ma tête, vous devinez que j'ai eu des petites galères. Sur l'ordi, j'ai trop hâte de... Putain, mes lumières commencent à refaire pimpon pimpon là. J'ai eu des galères sur mon ordinateur, j'ai vraiment hâte de le changer parce que là c'est n'importe quoi. Genre il supprime des fichiers tout seul pour faire de la place. Donc c'est vraiment pas avantageux pour moi, surtout qu'il a supprimé une de mes vidéos que j'avais montée, etc. J'avais tout fini, donc j'avais tout supprimé, les backups. Et en fait il a supprimé la vidéo montée finale, donc je suis dégoûtée, j'ai dû tout recommencer. Donc là j'ai tout pris les vidéos, je les ai toutes mises sur YouTube, comme ça j'étais tranquille. Donc c'est des vidéos que vous avez déjà vues, donc 2 jours avec moi, All Shein et les masters à Paris 1. Donc ça je viens de les mettre en ligne, je viens de faire les miniatures etc. Donc les miniatures je les fais sur Canva. Donc ça c'est la miniature de All Shein, j'aime beaucoup ça, je trouve ça assez joli. Ensuite il y a celle-là où en gros je donne les conseils et tout pour le master, comment on va avoir un master à Paris 1. Et le weekly vlog 2 jours avec moi. Donc voilà, j'ai mis des petites photos. J'ai aussi posté une photo sur Instagram. Voilà, j'ai posté celle-là. Elle est trop mime, celle-là, la photo. Et j'ai marqué en description: si je ne suis pas ta tasse de thé, je serai la coupe de champagne de quelqu'un d'autre. Bad bitch. J'adore, ça fait très duchesse. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai donné de la pâtée à Prince. Il était content. Et donc là, je vais m'occuper un petit peu de cette tronche horrible. Comme vous pouvez le voir, voilà, comme j'ai stressé, j'ai eu énormément de plaques. C'est vraiment un gros problème chez moi. Dès que je stresse, j'ai des plaques de partout. On va se faire un petit masque, on va se laver, etc. Alors, il y a des gens qui font leur masque, etc. avant la douche. Moi, je le fais toujours après. Parce que dans la douche, je fais des petits gommages. Et aussi avec la chaleur, enfin la vapeur, etc. Ça ouvre les pores. Et du coup, j'ai vu une amélioration de l'efficacité des masques. Enfin, si vous les testez, n'hésitez pas. Mais moi, je trouve qu'après la douche, c'est beaucoup mieux. Bon, c'est beaucoup moins pratique pour enlever. Après, tu prends un gant, voilà, ça s'en va tout seul. Allez, je vais me laver les cheveux. Je voulais pas le faire ce soir, mais... En fait, le lavage des cheveux, c'est extrêmement important et très tactique. Parce que si tu te laves les cheveux ce soir, c'est-à-dire que mercredi soir, il faudra que tu les laves. Donc, ils seront sales le mercredi. Logiquement, je dois me les laver demain soir. Comme ça, demain, je me fais un masque d'huile toute la journée. C'est hyper stratégique. Par contre, je vais faire un masque quand même parce que là, j'en peux plus. On va se faire un petit masque. On va mettre le petit bandeau. Avec les yeux horribles. Je vais mettre le petit masque sérum... de chez The Ordinary. Voilà à quoi vous ressemblez, on dirait que vous avez du sang sur le visage. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne vais pas savoir. Donc on laisse appliquer 10 minutes grand max, après on rince. Et puis voilà, ça aura exfolié en profondeur la peau. Vous pouvez avoir des picotements, ce qui est totalement normal. Donc je viens de prendre ma douche et donc après avoir retiré, c'est un tout petit peu rouge. Donc moi j'hydrate directement. D'habitude je mets mon petit sérum clarifiant en AHA, mais comme je viens d'utiliser ça, qui est déjà assez agressif, on va éviter, on va mettre donc la crème de nuit qui est toujours la même. Moi, ma routine, elle change pas vraiment. C'est la cleanance de chez Aven, c'est le soin de nuit pour les peaux à imperfection. Ça fonctionne bien, etc. Franchement, c'est pas mal. Donc, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Nous sommes donc le lendemain, il fait super froid dans l'appartement, j'ai l'impression que le chauffage ne fonctionne plus. Du coup j'ai eu d'autres ventes vintage, j'ai essayé de tout finir là, de tout emballer et envoyer ça là juste après. Donc là il est 10h, je me suis réveillée à 9h, je me suis couchée assez tard, je me suis couchée à 1h, 1h30. Attends, à 8h30, 9h je suis là, je suis réveillée, genre je me lève, je prends mon café. D'habitude franchement avant 9h, moi il n'y a personne qui peut me réveiller, hein, vraiment c'est catastrophique. Donc je vais finir les petits colis, on va aller les amener au point relais. J'espère qu'elle va accepter tout ça. Samedi, on va dans un restaurant, c'est Filia Restaurant à Pullman Hotel. Et le problème, c'est que on est 8, donc on n'est pas extrêmement nombreux, tu vois. Et je vous avais parlé dans le dernier vlog où, en gros, il fallait qu'on donne nos plats à l'avance, qu'il y avait un menu qui était imposé et qu'il fallait régler avant. Je n'ai jamais vu ça. Du coup, je lui ai dit, ok, déjà, je prends à la carte, je vous envoie mes plats. Mais hors de question que je règle. Enfin, imagine, c'est une arnaque, imagine, je sais pas, tu vois. J'ai envoyé mes plats, donc j'attends la réponse de la dame. Mais il est hors de question que je paye. Ça, c'est vraiment hors de question. Je sais pas, pour moi, c'est logique de payer après avoir consommé le plat. Parce que si c'est dégueulasse, si, je sais pas, ils ont plus de champignons dans mon risotto, ben, je suis désolée, je vais pas payer ça. Et aujourd'hui, j'aimerais bien faire du ménage, genre vider les cartons qui restent, etc. Parce que
c'est un peu le bordel. Passer même la serpillière, ça serait vraiment cool si j'y arrive aujourd'hui. Et aussi faire les pancakes pour mon voisin. Voilà le programme de la journée. Ah bah tiens, je viens d'avoir la réponse de la dame, mais je comprends pas. Elle nous envoie le devis dans ce sens pour signature. Puis ça, ma vie, j'ai déjà été au Pullman Hotel des nombreuses fois dans ma jeunesse. Vous savez, Pullman Hotel, c'est un grand hôtel avec plusieurs étages et t'as plusieurs restaurants. T'as le Sky Bar, etc. T'as plein de restaurants, t'as des brunchs. J'ai jamais eu à régler avant de venir et avant de consommer. Genre, c'est n'importe quoi. Elle m'explique pourquoi il faut régler avant, en disant que c'est une meilleure logistique pour eux et pour mieux anticiper nos besoins. Je crois qu'elle a toujours pas compris que mon anticipation de besoins ne se résume pas à régler avant, au contraire. Et qu'elle veut fluidifier le service et limiter le temps d'attente de nos convives. Écoute, régler ou pas régler, le temps d'attente sera le même. Enfin voilà. Puis même si on veut prendre un soft, si on prend un dessert, je sais pas moi, si on veut prendre des trucs comme ça, enfin c'est logique. 10h35, faut que je me dépêche, j'ai une tête éclatée en plus, mon dieu, je suis vraiment moche. C'est un des jours comme ça que je me sens moche, parce que je suis moche actuellement, j'ai les cheveux gras, j'ai la peau éclataxe parce que je vais avoir mes règles bientôt, et je vais être encore plus déprimée. Donc c'est parti, on va tout emballer. Je vais au point volet, il y a beaucoup de colis, j'espère qu'elle va tout accepter. Sinon je suis dans la merde parce que je n'ai qu'un seul mondial relais à côté de chez moi. J'ai vu qu'il y avait un relais colis qui était juste à côté de chez moi aussi. Donc si la prochaine fois vous voulez passer commande sur mon Vinted, vous n'êtes toujours pas droit, prenez relais colis si vous avez, si c'est pareil pour vous, parce que moi ça m'arrangerait, c'est à genre 2 minutes de chez moi. Ça y est, il y avait mondial relais là qui était là, donc c'était cool, ils ont pu prendre directement les colis qu'on a mis directement dans le sac. Au moins la dame elle n'avait pas à se casser le cul. Donc 24 colis les gars, c'est énorme, trop bien. Et donc là je dois les déposer à mon relais. Let's go. Le mec est en mode mais qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez vendu? Je lui dis t'inquiète. A few moments later. Qu'est-ce que t'as mon cœur? Mais je sais, je suis moche. Pas la peine de me le dire. Catastrophe cette tronche. Oh là là. C'est un truc de ouf, dès que je vais avoir mes règles, je me sens méga moche. Et c'est le cas en plus, je suis moche. J'ai les cheveux gras et tout, et on va mettre de l'huile en plus, donc ça va être encore plus gras. Des petits raviolis avec emmental. Et ça, tu veux quoi? Tu veux des câlins? Viens. Mais viens, mon amour. Oh mon amour, tu ronronnes. Tu voulais des câlins? Mon amoureux. Regardez comment il est beau avec cette tranche de cake là. Ah, tu veux partir? Tu veux partir, c'est ça? Tu veux t'en aller? Tu veux me quitter? C'est fini entre nous? Moi c'est ça! Regardez ce plat incroyable. Et ce chachao principado. Je suis en train de bosser sur l'ordi là, avec un petit thé. Oh mon cœur, t'es trop beau, tes yeux sont magnifiques. Bon, on va découper tout ça sans se brûler bien évidemment. Il y a une sacrée couche de gruyère. Hein. Bon, maintenant on va s'attaquer au nettoyage de l'appartement. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé Josette, c'est mon aspirateur robot, parce qu'en fait le salon a changé. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais en gros j'ai inversé mon canapé avec mon Apple TV. Du coup Josette n'est plus configurée pour nettoyer ce genre de pièces. Il faut que je refasse toute la cartographie de la carte. Je suis ravie. Du coup il faut que je la laisse recharger un petit peu quand même, parce que ça va prendre du temps. Et après bah, elle nettoiera, l'aspirera, etc. dans l'appartement. Donc pendant ce temps, pendant qu'elle est en train de recharger, il faudra que je fasse aussi sa mise à jour, je vais nettoyer un petit peu tous les meubles, etc. Ranger, genre mettre tous les trucs qui traînent un peu par terre bah, sur des meubles pour que Josette puisse passer. Donc bah, écoutez, let's go. Donc là, je suis en train de démarrer la cartographie de mon appartement, donc j'ai supprimé l'ancienne. Donc là, il est en train de faire son petit tour et en fait, à la fin, il y aura tout mon appartement. Et on pourra choisir les différentes pièces, on pourra choisir n'importe quelle pièce pour nettoyer. Donc c'est vraiment super pratique ce genre de petit appareil robot. Ça va faire 2 ans et demi, je crois que je l'ai, ou 3 ans. Et génial, franchement, elle est vraiment très très bien. Donc voilà, elle fait son petit tour et elle peut voir aussi les obstacles. Ça, c'est pas mal. Donc là, je vais me dépêcher de tout mettre en hauteur parce qu'il faut enlever tous les obstacles. Pour qu'elle puisse au mieux sauvegarder la pièce.
Regardez comment il fait beau dans l'appartement, c'est trop beau. J'aime. J'ai voulu lancer Josette, mais il n'y avait pas assez de batterie. Mais en fait, au moment où j'ai lancé Josette, elle l'avait plus. Du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu les filtres et tout, voir pourquoi, comment, parce que je me souviens avoir fait une erreur, avoir mis un petit peu de produit dedans. Et du coup, je pense que ça a bouché quelque part, mais j'ai pas trouvé où est-ce que ça avait bouché. Juste regarder ce chat incroyable. Du coup, je galère un peu, je sais pas quoi faire. Donc là, j'ai fait des trous un peu partout. Enfin, j'ai essayé de faire comme je pouvais, on verra si ça va marcher, mais si ça marche pas, faut que je regarde sur Amazon si je peux pas acheter les bacs serpillères. Je profite de la luminosité pour pouvoir faire mes pancakes sans lactose, donc pour mon voisin, parce qu'il est allergique au lactose, ce vieux fragile. Donc pour faire les pancakes, nous avons besoin du lait sans lactose, d'un œuf, et bien évidemment de cette recette secrète. Qui est celle-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, j'ai vu sur Amazon à 3€. Donc n'hésitez pas à commander, c'est super bien. Ça vous fait des pancakes, mais incroyable. Donc c'est parti, la recette est très simple, tu mélanges tout en même temps. Et voilà. C'est parti pour la recette, mais attention pour ce genre de recette, c'est en millilitres et pas en grammes. Donc convertissez bien 280 millilitres de ça. J'en ai mis 290, ce n'est pas grave. Ça, faudrait que je le mette dans un bocal, ce serait peut-être plus simple. 210 ml de lait, donc de lait sans lactose du coup. J'en ai mis 230, c'est parfait aussi. Faut savoir qu'avec moi, je mets jamais les vrais dosages, hein, parce que... Vas-y, c'est de la cuisine quoi. Ensuite, on va prendre un œuf et on va mettre un petit filet d'huile. Un œuf. Et c'est parti pour mélanger, écoutez. Vous voyez, c'était très très simple au niveau de la recette, très facile. Vous voyez, en quelques instants, la pâte elle est quasi prête quoi. Elle est très... je sais pas si vous voyez, elle est très, très aérienne. Ça c'est vraiment cool. J'ai mis du coup le restant de poudre dans ce petit bocal bleu et je trouve ça vraiment trop beau. Il est un peu dur mais le bleu comme ça et le blanc, je trouve ça trop beau. Donc la base en fait pour ce genre de pancake, c'est le beurre. Il faut vraiment que ce soit hyper bien beurré. Donc c'est parti. De toute façon, je vous ai déjà montré la recette dans mon précédent vlog. C'est exactement la même chose, donc je vais vous montrer le résultat juste après. Donc voilà ce que ça donne. J'ai eu beaucoup plus de mal, je pense, à les cuire à cause du lait, sûrement. Mais ils sont énormes, hein. Ils sont vraiment hyper épais, hyper moelleux, hyper fluffy. C'est des bons pancakes, donc franchement, n'hésitez pas à utiliser cette petite préparation. Elle est super. Donc ça va être pour mon voisin. Je vais en goûter quelques-uns pour voir si c'est meilleur sans lactose ou pas. Mais plutôt pas mal. J'ai jamais testé, par contre, avec du lait d'avoine ou ce genre de choses pour les... Enfin après, végétarien, non on peut pas parce qu'il y a des œufs. Et je suis pas sûre qu'on puisse... Ah, peut-être avec de la banane, on peut remplacer un œuf ou de la compote. Voilà, Josette vient de passer dans tout l'appartement, donc ça c'est vraiment trop cool. Dommage qu'elle ne puisse pas laver, elle a un problème. Je vais devoir acheter les bacs de serpillière. Donc là, 18h55, je vais me détendre. J'avais acheté ça sur Shein, genre c'est un truc que tu peux gonfler. Tu peux l'utiliser dans le bain ou sinon sur la plage. C'est pas mal, ça se gonfle et tout. Enfin voilà, je vais voir si c'est pratique ou pas. Donc j'ai mis la petite fleur de lotus, ça sent super bon. Et en fait, ça va mettre ton bain tout blanc. Et ça sent genre super bon. J'avais mis de l'huile de monoeil. De l'huile de monoeil. J'avais mis ça sur toutes mes racines là depuis 15h. Pour partout. Et comme ça, ça a bien pénétré au niveau de mon cuir chevelu parce qu'il est hyper déshydraté. Et en fait, ça s'est fait pour hydrater le cuir chevelu, enfin les cheveux, etc. Donc j'en ai mis sur les longueurs, mais aussi surtout sur la racine. Donc je vais galérer à nettoyer, bien évidemment. Mais là, j'avais vraiment... ça me grattait et tout. Je commençais à avoir des pellicules. Enfin bref, c'était une catastrophe. Donc là, je vais aller me laver. Regarde une petite série. Au revoir, ciao. Et puis, on se retrouve demain. Nous sommes le 1er février, il est actuellement 12h54, j'ai fait pas mal de choses ce matin, beaucoup d'administratifs, donc pas très intéressant pour vous. De l'administratif, pourquoi parce que j'ai touché 14€ de salaire ce mois-ci, wouhou.
wouh, génial, au lieu de 400 et quelques. Voilà, je suis ravie, de toute façon, je vous en ai parlé sur Instagram. Vous savez, ceux qui avaient suivi les weekly vlogs, je crois, ou les vlogmas. En fait, je suis en arrêt de travail de Truffaut depuis septembre, et en fait, j'ai fait un arrêt de travail initial, puis des prolongations. Et en fait, la MSA, donc, qui est ma sécurité sociale, qui gère tout, hein, qui gère les APL, qui gère les indemnisations journalières de santé, etc. Enfin, elle gère tout. J'ai pas de CAF, c'est la MSA qui s'occupe de ça. Eh bien, elle a perdu mon arrêt de travail initial. Ça veut dire que toutes mes prolongations étaient caduques. Ils m'en ont informé, j'ai donc renvoyé tout le dossier avec toutes les prolongations pour que tout soit à jour. Et ça date depuis décembre. Donc là, nous sommes le 1er février, je n'ai toujours pas de salaire Truffaut, donc je n'ai pas été payée au mois de décembre, je n'ai pas été payée au mois de janvier du coup, et au mois de février. Donc là, il me reste 2 semaines de travail, puisque j'ai démissionné, pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc j'ai démissionné le 12, donc là il me reste voilà 12 jours quoi. Et je n'ai toujours pas eu de salaire, j'ai eu que 14 euros, je trouve ça extrêmement bizarre. Donc j'ai harcelé la MSA ce matin avec plein de mails, ils me disent que c'est toujours en cours de traitement, mais en fait ça fait genre 2 mois que c'est en cours de traitement, donc ça m'énerve. Les APL c'est pareil, ça fait 1 an que je me bats avec eux pour recevoir mes APL, donc ça m'énerve, c'est des incapables dans ce monde, je comprends pas. J'aimerais vraiment un jour faire une émission immersion dans la MSA, que se passe-t-il vraiment, tu sais. Donc voilà, j'étais vraiment saoulée ce matin, j'ai vu 14 euros, j'ai vu mon loyer qui va être prélevé de 1027 euros parce que bah la régule de charge, bidouchouette, voilà, ça a augmenté de 150 euros mon loyer. Du coup, c'est la merde. Donc je suis en train de puiser en fait dans mes réserves continuellement et à cause de leurs bêtises. Voilà, donc si j'avais eu un salaire Truffaut, là ça irait beaucoup mieux, ça serait 400 euros net. Tous les mois on est prélevé de manière importante de charges sociales. Les charges sociales sont faites pour nous, pour notre retraite. On n'aura pas bien évidemment nous les jeunes. Et aussi pour reverser donc à la sécurité sociale, pour redistribuer. Je pense que vous connaissez le système de redistribution, on donne tous à la CAF et la CAF donne à tout le monde. Sauf que nous, on donne, mais en fait, quand on est en arrêt de travail, ce serait temps de nous donner à nous, tu vois, pour avoir des indemnités journalières et d'être assuré. C'est le principe du système de redistribution de la France. Sauf que là, à cause de ces incompétents, eh ben, on n'a rien. Donc voilà, le programme, c'est d'appeler le service de paye de Truffaut. Ensuite, j'aimerais bien passer à la serpillière, que je n'ai pas faite hier. Et après, on doit aller à Truffaut, je dois récupérer mes affaires dans mon casier. Enfin, j'espère qu'il y a des affaires dans mon casier parce que je ne les retrouve pas chez moi, j'ai que des t-shirts chez moi. Mais il me semblait que j'avais un pull, un gilet, enfin voilà, tout ça. Et je sais pas du tout où c'est, donc j'espère que c'est dans mon casier Truffaut. Je vais essayer aussi d'acheter de la litière pour Prince, de l'herbe à chat. Et ensuite, je vais aller à Leroy Merlin pour acheter de la peinture pour une future vidéo que vous allez voir. Ah ben non, vous l'avez déjà vu, c'est les travaux. Je vais repeindre mon immeuble et tout, donc ça vous l'avez déjà vu. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la checker. Voilà, on va faire des mini travaux dans l'appartement, donc il me faut de la peinture et tout. Donc. Et ensuite, après, je vais aller boire un verre et jouer au billard. En fait, en ce moment, j'arrête pas de voir mes potes parce que j'ai du temps devant moi. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Let's go, c'est parti, on va appeler le service de paye. Bon, j'ai pas retrouvé son numéro de téléphone. Je sais plus où est-ce que j'ai foutu les papiers. Bon, c'est pas grave, j'ai envoyé un mail, elle me rappellera si besoin. Je vais demander en fait de si elle avait eu des nouvelles de la part de la MSA et aussi si elle pouvait les appeler pour accélérer le processus parce qu'au bout d'un moment, on est quand même le 1er février, c'est inadmissible de ne pas avoir de salaire pendant 2 mois. Donc déjà ça c'est fait, j'attends son retour, maintenant on va passer à la serpillière, je vais vraiment faire ça vite fait. Let's go, c'est parti, en plus il y a un beau soleil, j'espère qu'il fait chaud dehors entre guillemets, j'aurais pas trop froid pour que je puisse ouvrir les fenêtres. Aéré. Alors pour le sol j'utilise ça, c'est vraiment génial, c'est Monsieur Propre, je l'avais acheté à... C'est le moment de cheveux, je l'avais acheté à Action et ça me dure énormément, ça fait depuis Villejuif que je l'ai, ça fait 3 ans hein, donc vraiment très très bien. En plus je l'ai quand même toutes les semaines, donc, ou toutes les semaines quand même, ou toutes les semaines et demie, donc ça dure quand même pas mal hein. Y a pas besoin d'en mettre énormément, attendez je vous rapproche. Voilà, tu mets juste ça. C'est un truc doseur en même temps, donc c'est trop bien. Et après, hop, voilà. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai lancé le lave-vaisselle. Il est actuellement 14h20, donc j'ai mangé le restant de mes raviolis d'hier. Et on va aller à Truffaut vers 16h30, je pense, parce que j'aurai un laps de temps de 2 heures. J'ai dit à mon pote de venir à 18h45. Faut que je fasse plein de trucs administratifs là cet après-midi, parce que comme on est le 1er février, on a toujours des trucs à faire, genre des déclarations, etc. à faire. Donc allez, au boulot. Donc là, ma voisine, elle me propose de faire un petit café QG. Je suis trop contente, donc j'allais la voir. Par contre, pas beaucoup de temps, parce qu'il est 16h20. Et faut que je fasse tous mes petits trucs à Leroy Merlin et Truffaut, donc je partirai vers 17h grand max. Mon amour,
bonjour à la caméra. Donc faudrait peut-être que je m'habille parce que là je suis en bas de pyjama. Chaque fois c'est comme ça, genre au moins en vidéo vous voyez que le haut. On fait genre qu'on est habillé alors que pas du tout. Mais là faut que je m'habille, je vais mettre une jupe, des talons, collant, bad bitch is coming, c'est parti. Il est 19h moins le quart je crois. Au final je suis même pas allée à Truffaut ni à Leroy Merlin. Parce qu'il y avait trop de gens en fait sur la route, c'était 45 minutes pour y aller. Pleine de faire les bouchons et tout, d'utiliser de l'essence qu'on n'a pas. Donc j'ai préféré ne pas y aller, donc il y a mon pote qui va me rejoindre. À côté de chez moi j'ai un Indiana, il est à Belle Épine. Donc, je l'attends, il va arriver d'ici je sais pas 20 minutes. Et on va y aller, on va boire un verre etc. On va se poser vite fait et on va passer une petite soirée. Et demain on va faire donc de la papoterie. J'ai trop hâte, trop hâte d'être demain. Le déballage... incroyable de KFC. Alors pour le menu, des frites, hamburger, wrap, hamburger, ça c'est pas pour moi du coup, frites, cheddar, bacon, hamburger, veggie, donc tout ça. Mais sinon t'as pas pris de tenders? Non. Tout ça c'est pour monsieur, super. Et ça c'est pour moi. Voilà, oh my god. Je vais envoyer ça à une pote. Et j'ai pas de boisson ? T'as pas venu pourtant. Bah, ah, allez, la bouteille. Oh, j'ai... oh, j'allais les fous. T'as les montées en l'air. Déjà que le McDo il m'a refusé, mais alors, qu'il va te faire foutre. Alors que ça bouffe. C'est pas important, hein. Regarde ça. Moi, j'ai jamais caché, mais je vous fais de la merde. Ah, c'est tombé. Quoi ? T'as fait ton élan sandwich ? C'est mon Végie ? Non, non, pas du tout. T'as fait ton drap. Mon sacha, il est pas content. Donc on est allé au McDo, j'ai demandé mon sandwich à 1€ avec ma famille imaginaire. Le mec il m'a dit ah non, on le fait plus depuis le 1er janvier. Écoute, depuis le 1er janvier je vais au McDo. On le fait tout le temps. Il m'a dit non, on le fait pas. Et en fait il m'a tellement saoulé que je suis partie. Je m'a dit c'est bon, je me casse. Genre vraiment ça m'énerve parce que d'une personne à l'autre, d'un responsable à l'autre, on a le truc à 1€, enfin on paye ça à l'année, on a une formule imaginaire à l'année, on paye cette prestation là. Et ben non, eux ils veulent pas, ils me disent ça dépend des McDo et tout. Je me dis pff, ça m'a saoulé, j'ai boudé. Donc il a pris son KFC, donc j'ai encore boudé, j'étais pas bien parce que moi KFC j'aime pas. Donc, après je suis allée au Burger King pour pouvoir manger mes frites. Et du coup j'ai pris mon petit menu et tout, et là j'ai retrouvé le sourire. Mais je déteste les gens comme ça, ça m'énerve. Donc j'ai boudé. C'est super cool parce qu'on a plein de petites couleurs, il faut se référer à ces petits trucs-là. Du coup, c'est trop bien, ils ont plein de couleurs. Et après, on doit laver nos pinceaux et on a aussi d'autres petits matériels juste là. Ici sont les résultats de la couleur après la vidéo. Je vais aller vous filer à la voir des carreaux. Vas-y, on finit par ça. Si jamais elle peut. Petite chai. Moi je trouve ça vraiment stylé hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. T'as la tienne. Ah ouais. Je suis juste à toucher la bordure en haut, il y a encore un peu de monde, mais c'est bon. Ah oui, pardon. Mon Dieu. Mais je prenais aussi en compte que Victor serait sur moi. Donc le vendredi 3 février, je viens de faire une machine, donc désolée pour le bruit. J'ai énormément de machines à faire, c'est ma troisième je crois. J'ai lavé mes draps, enfin je suis en train de laver mes draps, j'ai aussi des vêtements à laver, j'ai aussi mon canapé à laver aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Mais le problème c'est que j'ai extrêmement mal au dos, j'ai une infection urinaire depuis lundi et ça ne s'arrange pas, ça m'énerve. Donc je vais à la Carrefour acheter du cranberry. Et c'est vraiment intensifié, bah, ça me fait des grosses douleurs dans l'abdomen et dans le bas du dos.
Genre vraiment, c'est comme si j'avais une crampe dans tout le dos. C'est horrible, j'ai pas du tout dormi cette nuit. Mais bon, c'est pas grave, on va pas se morfondre. On a des choses à faire aujourd'hui. Faut que j'aille faire du coup des mini courses, acheter du cranberry et quelques fruits pour manger. Laver le canapé. Enlever le vernis qu'il y a sur mes ongles de pied et de main. Parce que vraiment, je pense que vous voyez mes ongles. C'est une catastrophe parce que je stresse énormément. J'ai reçu aussi un message de ma sécurité sociale en me disant qu'ils avaient envoyé les APL. J'ai vu le montant des APL, je me suis dit « Ah, ok, c'est un septième de ce que je pensais avoir. » Donc bon, c'est déjà mieux que rien. Je pensais pas qu'un étudiant qui avait 400 euros de revenus percevait aussi peu d'APL. Enfin, à chaque fois, j'entends les gens dire « je touche 300 euros d'APL » et je sais pas, enfin... Ouais, enfin, j'ai toujours entendu que, je sais pas, un étudiant avait 300 euros d'APL, enfin voilà, et moi j'ai pas du tout 300 euros d'APL, je suis très loin de là. Au moins j'ai eu des sous, ça change des 14 euros de salaire là. Les gens ont reçu toute leur vente Vinted, je crois, enfin quasiment tous, donc ça c'est vraiment cool, pouvoir fermer mon Vinted bientôt. Et j'avais autre chose... Oui, je dois monter la vidéo ce soir parce que, voilà, demain on sort avec les copains et du coup, bah là, enfin, j'espère que je vais pouvoir danser demain parce que j'ai vraiment très mal au dos, donc là je vais me forcer à boire. Hier j'ai bu 1,5 litre d'eau en l'espace de 10 minutes et j'ai fait que pisser. Je suis allée pisser au moins une vingtaine de fois sans vous mentir, genre toutes les 3 minutes j'allais pisser. Du coup je vous ai pas vraiment pris jeudi hier parce que j'étais avec mes amis et tout, donc généralement quand je suis avec mes amis je filme pas. Mais on était donc à la papoterie, je trouve ça vraiment trop cool comme concept. C'est un peu cher je trouve, c'est ce qu'on a payé c'est 30 euros la tasse, donc plus après une petite boisson à 5 euros. Chai latte là-bas, je vous conseille pas, il est pas très bon. C'est plus un goût d'eau que de chai. Franchement, la poterie, c'était vraiment cool, ça m'a vraiment détendu. C'est 2h30 du coup que tu réserves et après, bah, tu fais ce que tu veux. Et je voyais les gens, ils avaient vraiment beaucoup de talent, hein. C'est incroyable. Les gens faisaient des trucs vraiment magnifiques et nous, on était là en mode... Les intrus quoi. En fait avec la cuisson ça va changer, les couleurs vont changer, elles vont se foncer un petit peu. Donc il faut pas se fier à ce que vous avez vu au niveau de la tasse, enfin les motifs vont être comme ça mais la couleur ne va pas paraître comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa à faire. J'ai posté la vidéo dimanche, donc mardi je vais aller à la papoterie pour voir si j'ai reçu ou pas. Parce qu'après je pourrais pas les récupérer. J'espère vraiment recevoir ça avant, un petit peu avant. Mais si vous voulez avoir votre pot dans les 3 jours, faut payer 5 euros en plus. Flemme de payer 5 euros en plus, mais franchement c'était super sympa. Et mon pote, franchement, tu vois, il y a plein de gens qui font des choses magnifiques et là t'as mon pote, il fait un mug noir où il y a marqué puff et ah ouais dessus, et une licrotte en dessous, il a mis des paillettes et tout à l'intérieur, alors vraiment ça n'a aucun sens. Donc bon, voilà pour ce qu'on a fait hier. Après on est allé boire un verre, on est allé tous manger au resto, au japonais à volonté. Je vais aller faire des courses là parce que faut vraiment que je boive ce putain de jus de cranberry de mes couilles. Ou limite prendre des gélules de cranberry, je sais pas si ça existe, genre des trucs où tu... Hop. Bon, je vais aller à Carouf et si c'est un peu cher le jus de cranberry parce que déjà je déteste ça, je trouve ça dégueulasse, bah j'irai voir à la pharmacie s'ils ont des gélules. J'ai mal au dos, je n'en peux plus. En fait, je suis en train de voir qu'il y a plein de produits d'entretien qui sont en promotion en même temps, on est dans le mois du blanc. Donc là, je suis en train de faire le petit stock. Et c'est vachement intéressant en fait. Sur là, par exemple, le Carolin, c'est 40% de remise. Ou les Swiffer et tout, enfin tous les canards WC, bah tiens. J'en avais besoin de ça, donc c'est moins 60%. Je chiale, il y a des boissons Astrolove. Oh, c'est trop. Et en fait, je cherche des jus là-dedans. Je sais que le jus de cranberry, je peux pas. Du coup, je vais prendre ça. Ça a l'air trop bon. Fruit du dragon, litchi, pomme, baobab. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour le cranberry. Myrtille, cassis, pomme, cranberry. Bon, il n'y a que ça au niveau du jus de cranberry. C'est déjà 2,09€. C'est super cher. Du coup, moi, ce que j'ai pris, c'est des smoothies à 2,99€. Mais bon, je suis sûre de les boire. Sinon, il y avait ça, les antioxydants. Genre, une bouteille, c'est égal à 5 shots. Et après, il y avait quoi? Il y avait ça. Mais 3,45€, quoi. Mais après, c'est un smoothie. Ah, du multifruit. Ah, ça, je vais en prendre. Ça, c'est vachement bien. Ah bah là, du coup, c'est en promotion. Bah, je pense que je vais en prendre au moins un. Gingembre, j'aime pas. Mais ça, pour le shot de vitamine. Je suis rentrée, du coup, des courses. J'en ai pour 60 euros.
Il n'y a vraiment pas grand chose à manger. Mais au moins j'ai trouvé mes trucs là de cranberry. J'en peux plus, ça coûte tellement cher. Et j'ai regardé les gélules de cranberry, c'était le même prix. Donc je me suis dit vas-y, au moins il y a des petits jus, t'as plus des sympatoches, on peut boire ça tranquillement et tout. Et j'ai envie que ça ait un effet immédiat. Là j'ai mal. Plus. Pour le cranberry, donc j'ai pris ça, As de Pink, donc il n'y a pas de cranberry à l'intérieur, mais c'est pour mon système immunitaire, riche en fibres, on va tester. Antioxydant, Joker, à l'acérola, mûre, framboise, toujours pas de cranberry, mais je me dis, ça peut être bon antioxydant. Là, donc il y a du cranberry à l'intérieur, myrtille, cassis, pomme et cranberry, donc j'espère que ça va être bon. J'ai pris aussi 6 bouteilles d'eau cristalline. On m'a dit de prendre de l'épargne, ouais, 3,50€ les 6 bouteilles, on va se calmer, du coup cristalline 1€. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai pris aussi 2 fois de la pressade multifruits, parce qu'il y avait une promotion du coup. Des citrons verts, j'ai pris aussi des petits champignons, du raisin sans pépin, un basique pour moi. Et c'est super bon celui-là, il est un peu cher, hein. C'est que 500 grammes, mais il est très très bon. Ça, c'est mes yaourts préférés, voilà, à la pêche, c'est super bon, 1,99€ les 4. Ensuite, il y avait des belles promotions concernant le ménager. Donc j'ai pris Carolin antibactérien et Carolin savon de Marseille pour le sol, parce que j'ai plus beaucoup de produits pour le sol. J'ai pris ça, de la marque Paulette, je ne connaissais absolument pas, je les trouve trop mimes. Savon légendaire vinaigre ménager, faites la guerre au calcaire. Et je trouve que le packaging est super sympa. C'est fabriqué avec 100% de matière recyclée, etc. C'est toujours recyclable. Et ça sent bon, citron. Et je crois que c'est fait en France, de ce que j'ai vu derrière. Ouais. Donc voilà, c'est français, donc trop cool. C'est éco-certe. Voilà, donc là j'ai pris au savon de Marseille. Ensuite j'ai pris ça, il y a un mec qui a pris au moins 6 cartons, donc je me suis dit vas-y ça va être bien. Et c'est 1,50€ je crois, la bouteille. Il y avait moins 80% sur la deuxième. Donc je me dis peut-être que ça peut être pas mal. Qu'il y a 10 centimes qui sont reversés à l'UNICEF aussi quand t'achètes ça. De la salade, des tomates, des oranges. Alors c'était 1,49€ le kilo. Ça c'est cher, mais à ce qui paraît, ça là, juste une orange, ça fait un verre. Donc bah écoutez, on va tester. J'ai pris du Nutella parce qu'il y avait une promotion et je n'en ai plus. J'ai pris 2 croissants, 2 pains au chocolat. Du sirop d'érable parce que je n'en ai plus. Parce que j'aurais pas de manger des pancakes. Des bananes pour mes pancakes, du pain. Et aussi j'ai pris ça, Krusty Stars. Voilà, j'ai vu que c'était en forme d'étoile, je trouve ça hyper drôle, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi une spatule parce que je n'en ai pas des spatules pour les crêpes et tout, même pour les pancakes, genre vraiment je n'en ai pas, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris mon livre à 6€, le collector que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va mon chat ? J'ai pris aussi de la litière pour Prince. J'ai pris celle de Carrefour. Je sais pas trop, ce que... je crois que je l'ai déjà testé une fois. Donc là c'est 6 kg, 4€. Sachant que les petites boîtes là, je sais pas combien c'est. Ah c'est 5 litres. Mais du coup je sais pas en kilos, parce que les litres et les kilos et tout, c'est pas la même chose. Et ça je sais pas. En fait je sais pas si ça lui ira, parce que Prince est extrêmement casse-couille pour concernant la litière. Donc c'est une agglomérante, au coup on va tester. Mais il m'en fallait une de secours au cas où. Donc là il m'en reste 2 comme ça. Et il m'en fallait une de secours au cas où. Je viens sécher la lessive là. Et je vais faire tourner une autre pour tout ce bordel. Par contre il y a une odeur. Je crois que c'est ma machine. Ça me fait peur les odeurs comme ça. Faut utiliser Calgon Plus. Mais j'ai pas Calgon Plus. On va faire un nettoyage tambour Prince, hein. On est d'accord. Je sais pas avec quoi je vais laver ça, mais on va chercher. Bah du coup j'ai un programme donc nettoyage tambour sur ma Samsung et ils disent de pas mettre de produit à l'intérieur. Il y en a qui disent de mettre 1 litre de vinaigre et tout. Enfin, la dernière fois j'ai mis du produit dans Jouzette, elle a plus fonctionné, donc on va se calmer. Comme j'en fais qu'à ma tête, j'ai mis juste 3 petits pchits de Paulette. Par contre ça sent vraiment le vinaigre ménager, hein. Ça se voit que c'est du produit 100% made in France et 100% pur, hein. Ça pue, ça m'a brûlé les petites peaux. Donc on va faire ça. Nettoyage tambour, 1h59. Oh. Ouais, fais chier. Allez, j'espère que ça va plus puer. J'ai aussi bu mon shot là. Bah, je peux vous dire qu'il était efficace, hein. J'y suis allée aux toilettes juste après. Voici mon repas de ce midi. Petit sandwich, salade, brie et du raisin. Et je vais prendre aussi mon petit jus, tiens. Bon, moi et mon verre de... Je sais plus ce qu'il y a dedans. C'est vraiment bon les jus quand même. Hein. Du coup j'ai bu le shot là, la bouteille qui fait office de 5 shots. Genre 5 secondes après, je suis allée aux toilettes. Je crois que mon corps n'apprécie vraiment pas le cranberry. Genre je digère pas du tout le cranberry, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je digère pas. Du coup c'est instantané chez moi, vraiment instantané. Donc là, ça fait 2 heures, je vous ai pas pris parce que ça fait un boucan pas possible, le nettoyage du tambour. Donc ça à chaque fois je le nettoie, hein, ça, ces joints là je les nettoie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Y a rien qui est dégueulasse là-dedans. Là aussi ça a bien nettoyé, putain. Donc écoutez, je suis super contente.
ça sent beaucoup moins. Je pense que le petit pchit-pchit de vinaigre, là, ça a fait du bien aussi. Hein, mon cœur? Tu veux rentrer dedans? Tu veux y aller? Non, t'as pas le droit, mon cœur. Donc là, j'hésite, j'attends, voilà, il est bouillant le truc, donc je vais le laisser un petit peu refroidir. Et je ferai le restant de la machine juste après. C'est une catastrophe. Et en fait, j'ai un problème existentiel, visiblement. En fait, j'ai qu'une multiprise, elle est pas incroyablement longue et c'est la merde. Donc faut brancher Josette et faut brancher mes ordi. Sauf que moi, quand j'ai plus de batterie, comme là actuellement, parce que je bossais sur l'ordi, eh bien, c'est un peu galère de travailler sur le canapé. Du coup, il faut trouver une solution à ça. J'ai une solution, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en gros, j'ai une multiprise qui est juste en dessous. Il faut que je branche Josette juste en dessous. Et si j'ai pas, il va falloir que je pousse le canapé, parce que derrière le canapé, il y a des prises. Du coup, que je pousse le canapé, que je mette une multiprise que je mettrai sur l'accoudoir. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Oh, j'ai trop mal au dos, je vais devoir pousser ce truc-là. C'est comme à la salle, Elisa. Ah, je voulais faire du sport ce matin, c'est ça. Mais je pouvais plus avec mon dos. C'est que les jambes, Elisa. Ah, putain de merde. Ok. Ah ouais, mais il n'y a pas assez, là. Il n'y a pas assez de fil. C'est pas possible. Oh putain, fais chier. Réinitialisation du wifi en cours. Pourquoi tu te réinitialises? Non, attention mon cœur, tu vas te faire mal ici. Ah. Et merde. Bon, ça va, ça va. Bon, je vous montre, mais c'est vraiment pas ouf, hein. Genre, il y a un écart de ouf derrière. Parce que là, c'est plus possible, quoi. J'ai besoin de savoir ma multiprise à côté et pouvoir travailler. Ça va, Prince? Oui. Super. Donc, ce que je faisais là tout à l'heure, je changeais en fait les miniatures de mes réels. Je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Mais j'ai changé celle-là, 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 celle-là. iPhone aussi. Là, je vais changer celle-là aussi. Donc voilà, pour que ce soit un peu plus harmonieux, genre crête, je trouve ça beaucoup plus joli comme ça. Le touquet, desk tour, la rentrée, Lyon, l'iPhone 14. Donc voilà, je trouve ça un peu plus joli. Ça prend du temps quand même. Donc si vous ne me suivez toujours pas, c'est Elisa BRT off. Voilà, venez me rejoindre, ça me ferait plaisir. Et j'ai aussi, oui Prince, j'ai aussi un TikTok, c'est Elisa BRT off. Et je mets des petites vidéos de Prince. Voilà, à la con, des vidéos vraiment à la con, où il est trop mignon, il fait des conneries. Ouais, n'hésitez pas à aller checker. J'étais en train de monter la vidéo et en fait j'ai eu extrêmement mal au dos. Genre j'ai tellement eu mal que j'étais restée bloquée, donc je me suis dit oulala, c'est pas bon du tout. Je regarde donc pour avoir un rendez-vous chez le médecin au plus vite ou alors me déplacer demain pour avoir un rendez-vous du coup. Parce que j'ai rendez-vous le 13, mais ce serait genre trop tard, genre une semaine après. Donc j'ai regardé sur le site et s'il y a enfin des rendez-vous sur Doctolib. Je savais pas du tout, avant il y en avait pas. Et voilà, j'en ai vu un demain, mais c'est pas avec mon médecin, c'est avec une autre personne que je connais pas. Qui a un créneau de libre demain à 10h40. Jésus, Marie, Joseph, enfin. Du coup, je vais avoir rendez-vous demain avec elle. J'espère qu'elle va soulager tout ça parce que mes amis m'ont dit fais gaffe, ça peut toucher tes reins, Elisa. De toute façon, moi, toutes les semaines, j'ai toujours un truc. Voilà, si c'est pas une mycose, c'est une infection. En plus, je vais avoir mes règles demain et à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai une infection urinaire. J'en ai vraiment ras le cul. C'est un cercle vicieux, je n'en peux plus. Plus je vais chez le médecin, j'ai l'impression, plus j'ai des problèmes. Genre avant, j'allais jamais chez le médecin, j'allais une fois par an pour un certificat médical de sport. Et c'est tout. Là, j'y vais toutes les deux semaines, c'est pas possible d'être aussi nulle. Donc bref, j'ai mis le linge à sécher, il est juste là. Il y a juste la dernière machine que je n'ai pas faite parce que là, je pourrais même pas l'étendre. J'ai trop mal, je marche comme une débile, là, c'est n'importe quoi. Donc je vais manger ce soir, allez, une petite burrata. Elle est immense. Comment je vais manger tout ça, c'est pas possible. Je viens de me laver, j'ai une sale gueule. Je voulais vous partager un petit produit trop trop bien pour les cheveux. Je l'ai dans un calendrier de l'Avent et donc ça s'applique sur les cheveux humides. Et en fait ça permet de les réparer, c'est un sérum, c'est un traitement réparateur sans rinçage. Et c'est vraiment très bien, j'ai les cheveux vraiment tout doux le lendemain et tout, ça agresse pas trop les cheveux. Et franchement je vous le conseille vivement, il est excellent. Donc ça je vais l'appliquer et je vais aller me faire ma petite soupe fiocilisée, je sais toujours pas comment on dit. Putain comment on dit, c'est quoi le mot? Ah oui, je vous ai aussi montré mon ventre sur Instagram. Attendez, vous allez être choqués. Non mais regardez à quel point c'est pas possible d'avoir un ventre comme ça. J'ai un ventre plat hein, de base. Hein. Mon ventre est plein d'abdos, magnifique et tout, que je forge tous les jours avec la sueur de mon front. Et là, je suis enceinte de 6 mois là. Même ma sœur n'a pas un bide comme ça.
C'est pas possible. Donc, Mère Nature a débarqué, comme vous pouvez vous le douter. Donc, dès que j'ai mes règles, eh ben, j'ai mon ventre qui gonfle. On dirait que mon ventre gonfle pour laisser place au futur saignement. C'est vraiment tout cadeau. Infection, règles. Du coup, bah voilà, génial. Pour ceux qui me demandent d'où vient mon pyjama, il est vraiment d'une douceur incroyable. Et oui, j'ai remis mes chaussettes de Noël parce que j'ai froid. Principe, t'as fait tomber ton jouet. Mon pyjama vient de chez Shein, il est vraiment trop bien. J'ai pris le même pour ma sœur, un peu plus grand en mode grossesse. Elle le porte tout le temps, il est vert, il est incroyablement beau. Moi, je l'ai pris en beige, donc il est vraiment trop bien. Bon, il est un peu transparent, mais bon, après, c'est juste pour la nuit. Mais trop cool. Putain, mon ventre, il est vraiment... C'est serré quoi. Alors pour la soupe du coup, je pensais à ça, la soupe forestière. Pour préparer les 3 bols, ah c'est 3 bols de soupe. C'est lyophilisé non le mot? Putain je sais plus, y a pas marqué. Donc il y a 750 ml d'eau. C'est à dire que si je bois les 3 bols, j'aurais bu 750 ml d'eau. Ça fait combien? Je suis nulle en conversion putain, 750 ml, ça fait 75 centilitres. Je sais pas. Dis Siri, 75 ml ça fait combien de centilitres? Ah ouais, ok. Ok, on est très loin du compte. J'étais nulle en physique. Bah écoutez, je sais même pas comme 750 minutes, c'est parti. Bon, je pense qu'on va faire les... On va faire les 3 bols, on va boire les 3 bols. Ok, si quelqu'un veut faire un bain de vapeur, c'est le moment. Bon, on va verser ça là-dedans. J'espère que c'est bon, hein, parce que il est quand même 22h10. Et je me fais à manger. C'est rare. Ça a l'air dégueulasse. Ah, feu doux maintenant, feu doux, feu doux. Feu doux c'est quoi? C'est 4, 5. Oh, ça a l'air dégueulasse. On dirait mon vomi. Je veux pas dire, hein, mais oui. Ça a l'air dégueulasse, on est tous d'accord. Enfin, ça, c'est... Même l'odeur, hein. Je suis désolée, elle est pas incroyable. Hein. 3 portions, c'est égal à un bol et un petit fond. Du coup, on va goûter. Ça fait vraiment cheap la soupe avec le pain. Putain, Elisa, tu te respectes plus, ça y est. Pourquoi j'ai acheté ça encore? Eh ben, c'est pas si mauvais. c'est buvable. C'est pas genre la meilleure des soupes. Parce que ma soupe maison à moi est meilleure. Mais franchement, c'était 1€ le sachet. T'es en déj, t'as besoin d'une soupe. Comme là, maintenant, actuellement. Ça passe, hein. Nous sommes le lendemain, je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai eu extrêmement mal au dos. Du coup, bah, j'ai rendez-vous dans 20 minutes, là il est 10h20, pour le médecin. J'espère qu'elle va faire quelque chose parce que là j'ai vraiment trop mal. Donc je vais aller chez le médecin et après je pense que je vais faire des étirements et tout à la maison pour faire un petit peu de yoga ou je sais pas. Alors faut que je fasse un truc parce que là j'ai trop mal partout. J'ai utilisé le petit masseur que j'avais reçu, vous savez, d'Amazon là. Je l'ai utilisé pour le cou, ça m'a fait un bien fou. Je l'ai testé aussi au niveau des lombaires mais j'avais encore mal après. J'y vais parce que là je suis un peu en retard. En plus je suis toujours en pyjama et j'ai toujours une tête éclatée. Donc j'espère que ça va bien se passer hein. Alors, je reviens du médecin. Bon, elle est un peu spéciale, hein. Limite à m'engueuler. Genre, elle me demande par exemple si j'ai de la température. Je lui dis, bah j'étais bouillante, mais je sais pas. Elle me dit, oui, mais c'est pas ça de la température. Mais oui, mais je sais, mais je t'ai dit, j'étais bouillante. Après, voilà. Du coup, là, actuellement, j'ai fait un ECBU. Donc, c'est une analyse d'urine en fait. Pour voir si j'ai une infection. Donc, j'ai bien une infection, hein. Voilà. Ce qui était totalement logique. Elle m'a donné des antibiotiques. Elle m'a pas prescrit d'ovules. Ah c'est mort, je les prends pas les antibiotiques. Hein. Je suis désolée mais c'est mort. Je vois pas sur l'ordonnance là les ovules. Donc Moi je vais mourir encore, j'ai pas envie de payer 6€ une ovule. J'ai pas les thunes pour ça madame. Je dois faire un ECBU pour savoir si je dois prendre des antibiotiques. J'espère que je devrais pas les prendre parce que je n'ai pas d'ovules. Moi les mycoses, je vous jure je peux plus. Genre la dernière fois ça m'a vraiment traumatisée. Donc c'est mort, je ne prendrai pas d'antibiotiques. Si je n'ai pas d'ovules, je dois faire aussi une analyse de sang à bilirubine pour savoir si c'est pas remonté. Je pense que c'est une infection basse ou une infection haute. Donc si c'est haute, ça veut dire que c'est remonté dans les reins, donc c'est pas incroyable. Si c'est basse, ça veut dire que vas-y, ça va aller. Bon, je viens de rentrer, il est 12h30. Donc premièrement, je suis allée voir un médecin que... Putain, je la revois mardi, mais vraiment, heureusement que j'ai pas eu elle pour soigner mon anorexie et mes problèmes de poumons, parce que c'était une catastrophe. Vraiment, je la recommande pas.
Bah après voilà, vas-y, c'est un médecin, les médecins sont bizarres. J'ai fait un ECBU, ECBU donc c'est le pipi, pour savoir si j'ai une infection urinaire. Quelle surprise, j'en ai une. Par contre je n'ai pas de nitrite, donc ça c'est très bizarre. Et comme en fait leur laboratoire là-bas était fermé vu que c'était samedi, j'ai dû aller faire des analyses à Belle Épine. Ils sont vraiment très bien Belle Épine, franchement j'ai jamais eu de problème, je fais tout le temps mes analyses là-bas. Donc j'ai fait et le sang pour savoir si c'est une infection basse ou haute. Donc si c'est basse, c'est juste la vessie. Si c'est haute, ça remonte dans les reins, donc c'est pas forcément incroyable. Et j'ai fait donc un autre CBU. Donc j'ai traîné, j'ai fait pipi en fait dans le labo de là où j'étais. Je l'ai pris avec moi, j'ai un petit pot à Belle Épine pour le CBU. Et du coup, ça c'est pour savoir si je dois prendre un antibiotique ou pas. De ce que j'ai compris, hein. Voilà, là j'ai trop mal. Elle m'a pris au moins 5 tubes. J'ai cru que j'allais... J'avais tout mis dans les poids. Donc, j'ai du ciproflaxine que je dois prendre 2 fois par jour pendant 6 jours. Et comme c'est un antibiotique, bah, ça me provoque souvent des mycoses. J'ai demandé à ma voisine, normalement celui-là ne me provoque pas de mycoses. Enfin, tout ce qui est infection urinaire, ça ne provoque pas des mycoses pour les antibiotiques. Mais t'as vu, j'ai tellement une chance incroyable au niveau de la santé que j'ai pris des probiotiques. Donc ça, vous m'avez conseillé, les probiotiques. C'est du Lactibian. C'est pas remboursé par la sécu, ça coûte 20 balles. Donc j'ai quand même demandé une facture pour l'envoyer à ma mutuelle au cas où, voilà, si on peut gratter quelques centimes. Ça, on le prend pendant la durée du coup du traitement de l'antibiotique et on rajoute un jour pour que ça soit un peu plus préventif. Et ce qui est vraiment cool, c'est que dans ces centres-là, donc c'est des centres où par exemple les psychologues sont gratuits, ou enfin il y a plein de choses abordables, gratuites, où t'as pas forcément avancé les frais. Genre moi je dois juste avancer les frais de ma mutuelle, 7,50€, mais sinon vous pouvez y aller et ne rien régler, enfin tout est pris directement en charge, donc ça c'est vraiment cool si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour avancer les frais. Moi c'était souvent le cas, j'avais pas les fonds nécessaires à l'époque et j'étais très contente d'avoir eu ce centre là, ce centre Pierre Rouquet. Ils ont plein de centres à Villejuif, centre Pasteur, etc. Et tout est pris en charge, donc ça c'est vraiment très très bien. Tout est gratuit entre guillemets, genre tout est pris en charge par votre sécurité sociale, vous avez aucun frais à avancer, donc ça c'est super. Et franchement c'est un peu galère d'avoir des rendez-vous, j'ai eu de la chance d'avoir ce rendez-vous là. Mais voilà, donc bref, je dois tout envoyer, je dois tout faire administratif. Je vous ai pas fait le petit emploi du temps d'aujourd'hui. Du coup bah c'était le médecin comme vous avez pu le voir. Et ce soir en fait j'ai une soirée avec mes copains, on va dans un beau restaurant, c'est le Filia du coup. C'est pour ça que je voulais être bien au niveau de mon dos, parce que bah voilà, j'ai envie de mettre des talons, je vais mettre une robe et tout, enfin voilà. Du coup après on ira au Café Oz à d'Enfer Rochereau, c'est un bar dansant. Il est sympa, voilà. On va dans un bar dansant parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les boîtes de nuit. Donc on a fait un petit compromis, voilà, un petit bar, si tu danses et tu danses, etc. Donc voilà, puis c'est à côté de tout le monde. Donc voilà, il faudra que je ramène aussi des amis chez eux. Donc je boirai un petit verre et j'arrêterai après. Donc je suis Sam, voilà, c'est moi Sam généralement dans toutes les soirées. C'est moi qui prends soin d'eux à chaque fois. Donc Cindy devait dormir à la maison ce soir, mais finalement elle va dormir chez quelqu'un d'autre. Et voilà, écoutez, pour la journée, il faut que je fasse du montage aujourd'hui, il faut que je fasse beaucoup d'administratifs. Et là c'est mon premier jour de règle, du coup j'ai mon ventre de femme enceinte, je vous l'ai montré sur... Bah je vous l'ai montré hier d'ailleurs, je vous l'ai montré aussi sur Instagram. C'est vraiment fou le corps de la femme. Ça change énormément. Je suis toujours un petit peu surprise de comment est le corps, enfin le corps humain est vraiment surprenant. Donc j'ai eu les résultats de l'examen sanguin. Bon bah j'ai une infection, c'est obvious, hein. J'ai un PCR, donc c'est des protéines C réactives qui sont à 4 fois le dosage, enfin 4 fois le dosage moyen. Une infection, je sais pas si c'est basse ou haute. Ma soeur elle pense que c'est basse. Enfin ma soeur elle connaît beaucoup ces trucs là, enfin elle c'est une chercheuse. Enfin elle m'a dit que c'était plutôt basse, c'était pas assez élevé pour que ça soit une infection haute. Mais elle m'a dit de prendre comme mes médicaments, donc mes antibiotiques, jusqu'à mardi, jusqu'à temps que je revoie le médecin. Il est 14h42, je commence à avoir un petit peu mal au ventre. Je sens que je suis bouillante. Dans 5h20, il faut que je sois une bad bitch au restaurant, parce qu'on a rendez-vous à 20h. Donc à 18h, il faut que je commence à me préparer, dans 3h. A few moments later. Oh mon dieu, cette tête! Du coup, je viens de me maquiller et je me suis bouclé les cheveux. Donc là, j'attends que ça sèche. J'attends que ça refroidisse pour pouvoir démêler tout ça. Parce que là, on dirait Louis XIV. C'est une catastrophe. Là, il est 19h-10. Il faut que je parte à 19h au moins là. Parce que c'est pas possible. Et je ne sais pas du tout quoi mettre comme tenue. Voilà, c'est la merde. Du coup, je pensais à une petite chemise avec une jupe. Du coup, j'ai opté pour cette chemise là. Je suis hyper en retard. Donc je défais un petit peu les boucles pour que ça soit bien ondulé. On dirait un lion. Bon, finalement j'ai pas mis de talons, j'ai mis des baskets, j'ai mis des Vans. Au moins c'est un peu plus confortable et j'aurai pas froid vu que j'aurai des collants. Parce que j'ai vraiment peur d'avoir froid. On va être dehors pour boire un verre et tout, enfin bref. Donc let's go, c'est parti, il est 19h13, je suis en retard. Donc c'est parti.
Bon, je viens de rentrer, il doit être 3h et quelques, c'était super sympa, donc on est allé au Filia, un restaurant comme je vous ai dit. C'était vraiment très très beau, vous voyez l'endroit vraiment magnifique, puis la table elle était vraiment belle, elle était en bois, elle était vraiment incroyable la table. Ça faisait vraiment très dîner familial et j'aimais beaucoup ça, donc franchement c'était super joli et la bouffe était vraiment incroyable. Franchement le risotto aux champignons... champignons parmesan, c'était super bon. On ne sentait pas du tout la crème. Je crois qu'il n'y avait même pas de crème dans le risotto. C'était que du parmesan. C'était vraiment très très bon. C'est l'un de mes meilleurs risottos que j'ai jamais goûté. Super bon. Même les lasagnes, ça avait un bon goût. Tomates et tout. Vraiment, tout était bon. Donc ça, je peux le recommander. Après, c'est un peu cher, hein, je vous avoue. Mais franchement, on en est pour 24€ par personne pour un plat. Donc, Et après, on est allé au Café Oz à Denfert Rochereau. Donc c'est à 6 minutes en voiture. Donc vraiment, c'est juste à côté. Et on est arrivé vers 23h. Il y avait un monde, mais vraiment à l'intérieur, je pensais pas avoir... Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de personnes âgées. Alors, enfin, personnes âgées, genre personnes d'une cinquantaine. Enfin, des personnes qui sont vieilles, quoi. Un peu plus vieilles que nous. Je chiale. Et je me suis dit, mais wesh. Vraiment, c'était blindé. À 23h, de base, à 23h, il y a personne. Donc, bon, on s'est installé dehors, on a pris un verre, on a discuté jusqu'à 2h30. Et puis, il y a des gens qui étaient un peu fatigués. Du coup, on est rentrés. J'ai ramené donc deux de mes potes en voiture. Donc, ça m'a pris quand même 45 minutes. Mais au moins ils sont arrivés en sécurité. Donc voilà quoi, c'était vraiment une petite soirée très sympathique. Ça m'a fait vraiment du bien de les voir. C'est vraiment des gens que j'aime énormément. Mais je suis pas trop fatiguée là, ça va. Je pense que je vais me regarder un petit truc sur YouTube ou je sais pas, finir une petite série ou je sais pas. Et je vais me poser dans le lit. Donc on se retrouve demain. Petit déjeuner trop sympathique, petit pancake protéiné avec banane, raisin et mon petit cappuccino. Je vais me réveiller en douceur, je vais mettre un vlog de Marion Caméléon. On va se réveiller doucement. Je me suis endormie vers 4h du matin, j'ai regardé des petites vidéos et tout, c'était sympathique. Et là il est 9h je crois. Et voilà, comme je l'avais prévu, je savais que j'allais me réveiller vers 9h. Du coup bah voilà, un dimanche, 9h, j'ai dormi 5h. Ça va, tranquille. Donc le programme d'aujourd'hui... Comme d'habitude, il faut que je fasse beaucoup de paperasse. J'avais pas tout fini hier. Il y a vraiment beaucoup d'administratifs à faire en ce moment. Je comprends pas trop pourquoi. Donc il faut que je travaille sur l'ordinateur. Il faut que je fasse des pancakes. Parce que je vois ma soeur aujourd'hui. J'ai envie de lui faire des pancakes parce qu'à chaque fois quand j'en fais, elle râle parce qu'elle veut goûter. Du coup, je vais lui en faire comme ça, elle sera contente. Ce soir, donc, je la vois. Et on va faire une petite soirée entre soeurs avec des masques et tout. On va ressembler à rien du tout comme d'habitude. Donc voilà, le petit programme. Vraiment un dimanche très chill, très posé. Je vais... être sur mon ordi devant la télé, franchement un petit dimanche au calme. Hi bitches too, do you want to go to the shopping? I want to go outside and not spending my money but your money. So do you want? But I need to cook something for you. Yes, cook, cuisiner, t'as bien entendu. Because tu m'as cassé les couilles, you break my nuts. My vaginus, because I didn't cook for you, so I will cook for you. Hi bitches, I'm a little bit confused because I asked to a friend if she wants to go to Stokomani and Truffaut with me. Oh god, I'm so scared about what you are saying to me. For tonight, I plan to do a pot-au-feu. I don't know if you like it, but it's good for health. Do you think it will be okay with what you want cooking to me? You sure I will not be sick after eating your food? Enfin, ma soeur, elle va à Truffaut. Elle va là où tout a commencé au niveau de ma dépression. Non mais MDR, à quel moment elle a fait ça? Je suis pas d'accord. Il est 11h57, je viens de faire une nouvelle vente. Donc j'ai déjà préparé le colis. Et là, je vais, je pense, remettre les housses, je pense qu'elles sont sèches, donc sur le canapé. Je vais voir si les taches elles sont parties, mais oui, je crois. Donc je vais retirer, il y a une botte ici, parce que hier j'étais en train de tester si la botte ça allait ou pas. Donc il faudrait que je la range. Le tapis il est vraiment dégueulasse, donc je pense que je vais passer Josette un petit coup. Faut qu'elle travaille un petit peu même un dimanche. Hein Josette? J'aimais beaucoup en fait le style canapé avec plein de plaids et tout. Bon ça fait un peu fouillis, mais ça fait très cosy je trouve. Genre le soir je trouve ça trop mignon. Je vais laver le plaid rouge, ça le blanc, peut-être celui-là, mais surtout aussi les serviettes de bain. Concernant mon ventre, mon infection, bah je trouve que ça va beaucoup mieux. Genre vraiment ça n'a rien à voir avec hier. Et au niveau de mon dos, bah, j'ai encore mal. Vraiment,
Après, je pense que c'est musculaire, comme elle a dit le médecin. Parce que c'est... Enfin, les reins, ça serait un peu trop haut, je crois. Pour me baisser et tout, c'est un peu compliqué. Mais je crois que c'est les 25 ans qui arrivent, les gars. Le 22 février, c'est mon anniversaire. Voilà, je suis en PLS. J'ai 25 ans. Un quart de siècle. Donc, je vais faire les housses, lancer la machine à laver, et je vais faire les points de cac, et je vais lancer Josette en même temps. Là, c'est une optimisation de temps. Après, je me prépare. Je vais à Belle Épine. Non, je vais à Action. Je vais à Ikea. Et je vais à Belle Épine. Et ensuite, je vois ma sœur. Allez, on se dépêche. Alors je suis dans la voiture, pourquoi? Parce que il y a le copain de ma soeur qui m'appelle, il me fait Elisa, ta soeur est coincée devant chez elle, elle a oublié ses clés et la porte elle a claqué. Je fais ah merde, bah je vais lui filer les clés, j'arrive, il me fait ouais est-ce que tu peux te dépêcher parce que elle a des trucs sur le feu. Je suis en mode ah. J'ai pris les pancakes que je lui ai fait, ils sentent super bon, c'est un truc de ouf. Et le timing était parfait, donc là je pense qu'après ma soeur je vais aller directement peut-être à Primark ou à Belle Épine, etc. Donc écoutez, let's go, mais regardez-moi ces petits pancakes. Il y en a énormément, j'en ai fait des un peu plus petits pour qu'elle en ait un peu plus. Sacrée soupe. J'ai vraiment une tête éclatée, donc là je viens de déposer le colis Vinted. Et du coup j'ai sauvé ma soeur, donc ça c'est vraiment cool. Parce que si j'étais arrivée genre 10 minutes plus tard, je pense qu'il y aurait eu le feu chez elle. Parce que vraiment la soupe elle était mais cramée, puée, il y avait de la fumée noire et tout. Donc bon, je dis la prochaine fois tu retiens mon numéro, c'est très simple mon numéro. Donc là je vais à Belle Épine, un petit tour et ensuite j'irai à Action avec... C'est ça que je voulais là, le cappuccino avec la tasse. Et il y avait aussi ça là. Mais ah 8 euros ça va. Ah il est en bleu et en noir. Trop. Il y a même le petit, la petite assiette là aussi. Mais en soi elle est pas si chère parce qu'il y a la tasse et la soucoupe à 5 euros. Putain j'hésite de ouf parce que j'aime trop. C'est pas... Là c'est 5, 7, 8. Mes ongles c'est une catastrophe. Et j'avais pas vu mais il y a ça aussi. Je crois que c'est pour mettre peut-être les... Je sais pas. Les petits trucs de thé. Là c'est en Bordeaux. Trop beau. Oh il y a un tout petit expresso aussi. Ah non vraiment je craque. Ça c'est 4 euros du coup. C'est trop mims. Même ça va avoir collection avec les petits verres, ils sont trop mims. Genre ceux-là. Et aussi ceux-là, là, un peu plus grand. Le plateau il est archi beau. Il est beau aussi. Putain. Ah ils ont fait une nouvelle collection de tasses aussi. 10 euros. Ouais quand même. Mais trop stylé. Et ici, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des livres en occasion qui sont remisés. Et dans ma fois, il y avait moins 50 sur tout. Genre les trois mousquetaires. Ils sont à 2,50€. Et j'ai pris dans ma fois le truc pour ma soeur, là, pour sa grossesse. Elle avait kiffé, ça coûtait de base 20€ et c'est passé à 2,50€. Ça aussi, là, pour les voyages, je trouve ça trop bien. Parce que on a des petites pages et tout, exprès en fonction des... Je crois des pays, Asie, Océanie, ça c'est super joli. Et après, on raconte ce qui s'est passé. J'ai voyagé seule, la météo était comme ça. Je trouve ça vachement bien. Il y en a un autre du coup. Qui est comme ça. Oui, il est super sympa celui-là. Mais ça, il y en a un autre ici. Moi, celui-là, il est mims. J'adore leurs cahiers à culture, ils sont vraiment trop beaux. Il y a toujours des bonnes idées cadeaux et tout, mais c'est dommage qu'ils aient pas plus de stock pour la marque Le Gami parce qu'ils font vraiment des belles choses là-dessus. Les cahiers et tout sont archi beaux. Un jour, ce que j'aimerais trop faire, c'est faire mes propres petits trucs comme ça, étiquettes ou les petits stickers, etc. Enfin, je trouve ça trop bien. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi pour les tasses, genre faire des tasses et tout, enfin, voilà comme là. J'aurais vraiment un truc spécial pour les tasses. J'aurais trop aimé avoir ça. Peut-être que l'année prochaine je le ferai, parce que j'aime trop. Ils font même des trucs pour faire des bougies fleuries, mais je trouve ça trop bien. En plus j'ai déjà un bol coco comme ça. Je savais pas qu'ils faisaient de la cire à bougie. En plus c'est 8 euros, c'est pas si cher. J'avais pas vu tout ça. Mais j'aimerais trop faire aussi des bougies. En fait j'ai tellement de projets, mais j'ai tellement pas de temps. J'ai une gueule éclatée.
Je me suis même pas coiffée ni lavé le visage ce matin vu que bah ma soeur m'a forcé la main. Ah mon gars, si tu touches ma voiture, je te déboîte. Je vais à IKEA et Action, donc c'est Thiers Village je crois. Je vais prendre à manger à IKEA parce que j'ai pas mangé du coup. Bah voilà, il est 14h46. Il fait chaud, il fait beau, ça fait plaisir. Qu'on va à IKEA Action, d'abord à IKEA, j'aimerais bien faire un petit tour, voir s'il y a mon miroir que je voulais. Sinon, il faudrait que je trouve le miroir que je veux chez un brocantier. J'ai vu donc les petites tasses à H&M, franchement, je les trouve magnifiques. Et pas si chères que ça en soi, vu qu'il y a la sous-tasse là. Mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur sur cette collection-là. Elle est vraiment trop mignonne. Donc je vais regarder sur internet s'il y a des petites promos, s'il y a un cashback, etc. Et si c'est le cas, je les prendrai parce que vraiment, j'adore, je les trouve magnifiques. Bon, eh bien, il n'y a toujours pas le miroir que je veux. Il est arrivé qu'aux États-Unis. Je suis dégoûtée. Je viens donc de rentrer. Il y a mon petit jeu qui m'attendait depuis. Et du coup, il y a aussi la vaisselle qui m'attend. Génial! Allez, du coup, je suis rentrée, je suis allée à Action. Je suis aussitôt repartie. Il y avait un monde pas possible, c'était impossible de circuler vraiment. Donc, je suis rentrée à la maison et puis j'avais très très mal au dos. Donc j'ai préféré rentrer avant d'être bloquée, etc. Donc là, je fais la vaisselle. Ensuite, je me pose dans le canapé et on se retrouve ce soir pour aller chez ma sœur. J'avais des bons d'achat Gladis, je crois, enfin de Truffaut, merci Truffaut, qui étaient encore sur mon compte et j'ai vu que c'était en partenariat avec H&M. Donc j'ai fait une commande sur H&M, j'ai pris les petites tasses. Donc j'ai pris les tasses que je vous ai montrées et j'ai pris aussi un saladier en bois de manguier et trois saladiers, un lot de trois bols en bois. Ce que je voulais depuis très longtemps, donc ça je suis trop contente, j'ai pris deux tasses cappuccino, deux tasses expresso. La tasse elle est en porcelaine et la soucoupe est en céramique. 18h36, je vais aller chez ma sœur et finalement je vais pas vous prendre avec moi parce que voilà, ça va être avec ma sœur et tout, on va être un peu chill, etc. Donc en tout cas j'espère sincèrement que vous aurez passé une bonne vidéo avec moi. Si les gens sont encore là, franchement vous êtes vraiment très forts. Je pense qu'il doit faire au moins 1h30, c'est pas possible, je vais galérer à monter cette vidéo. Donc pour ce genre de vidéo, pour le montage, ça dure 3 heures par jour, généralement 3-4 heures, donc ça fait 21 à 25 heures de montage pour ce vlog là. Donc c'est vraiment un long travail, donc j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Dans le dernier vlog de 1 heure, vous avez vraiment tous été contents, etc. Vous avez vraiment tous kiffé et j'espère sincèrement que pour celui-là aussi vous avez kiffé. On se retrouve jeudi pour une vidéo spéciale, donc il n'y aura plus de vlog. Vous allez comprendre pourquoi. Donc n'oubliez pas, jeudi 16 février sur Instagram et sur YouTube, vous aurez une vidéo et un réel. Donc je compte sur vous, je compte sur votre bienveillance, notamment sur tout ça, parce que je vais vous parler très français. j'ai pas encore tourné, mais j'ai hâte de la tourner. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui sont juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis...